Hey, salut tout le monde, c'est aujourd'hui on se retrouve sur un petit FPS pour l'instant en bêta fermée et on va donc aller tout de suite faire une petite partie en online. Press any key to continue, allez hop là j'appuie sur F, pourquoi pas. Allons-y, soyons fous, ça y est, on y est, on est parti dans une partie de folie. Oh non, pas par là-bas, c'est du gaz, non mais j'ai pas le droit de mourir dès l'échauffement, c'est impossible ça, voilà, alors qu'on est que 2 sur 8 dans la partie. Je suis mort. Oh non, mais non! Mais non, mais c'est de la défense-attaque et on commence par défendre. Bon, d'accord, on va s'échauffer, hein, c'est bon. Première partie de la vidéo, hein, c'est pour y aller doucement. Allez, allez, les gars! On y va! On y va! Oleg 2, on y va, on va défendre! Alors, le troisième est ici! Allez, c'est bon! Moi, je me mets ici, voilà! Comme un lâche! Mais voilà, on va défendre! C'est pas grave! Quelqu'un est là! Au secours! Il va mourir! Oh, il s'est auto-tué! Oh, qu'est-ce que c'est dommage! Et puis, je l'ai fini comme un lâche! Parce que dans ce jeu, il y a la possibilité d'être réanimé! Mais bon, hein, si vous. Bah, comme ça! Voilà, regardez, je vous montre, je vous fais la petite démonstration avec les bras, voilà! Je suis quelqu'un qui aime bien communiquer ses idées avec les bras! Et mes idées permettent notamment de soigner, vous l'avez vu. Très longue explication, très chiante, je vous l'accorde. Mais elle s'imposait, tout comme ce kill. Magnifique. Non, non, la grenade. Ok, timer. Wesh, la MIFA. Non, hé, non. Ça fait deux fois que je viens ici, deux fois que je me fais tuer, hein. Faut arrêter de déconner, les gars. Faut arrêter, hein, à un moment. Yo, tout le monde. Non. Et puis il campe, lui. Lui, il doit... En fait, il doit poser un pan C4, là. Il doit le poser. Donc moi, j'arrive là, je vois personne qui pose. Je me dis, c'est bon. Mais non, en fait, il campe là, dans ce petit coin. Comme des gros lâches. Ça m'énerve. Non, mais c'est quand qu'on assistera au deuxième kill? J'arrive pas à être décisif dans cette partie. N'est-ce pas, Windlove? Je ne sais... Oh. Ah non, j'ai cru qu'il était décédé devant moi. Ta gueule. Alors c'est vrai que ce jeu a l'air pas mal, hein, mais il y a plusieurs choses pour vérifier si un jeu est bon. S'il est possible qu'il soit un triple A. Finalement, l'inertie des armes importe peu. Le premier atout d'un FPS doit être le friendly fire, hein. Mais j'ai pas l'impression qu'ici il soit bien présent, hein, parce que ça fait une dizaine de balles que je balance à mon coéquipier et il ne prend pas de dégâts. Il n'a pas l'air de souffrir. Donc si je devais noter le jeu, du coup, ça serait peut-être une note entre 0 et 5 sur 10. Sur 10, évidemment. Ne vous énervez pas, les haters, c'est pas grave. On défend, allez, on y va. Non, hé. Oh, est-ce que je suis héroïque? Eh oui, je le suis, merci. Oh, ils m'ont attendu à l'autre bout. Ils m'ont attendu. Eh bien, moi, je vais leur montrer qu'est-ce que c'est. Longue défense bonus. Ah, d'accord, j'ai eu un bonus parce que je défendais absolument dans le point. Parce que je défendais justement lointain, voilà, moi, je suis prévisible. Prévoyant, plutôt. Ah, mais c'est quoi de ça, de ces escalators toujours en panne? Regardez où va l'argent des contribuables, c'est incroyable. C'est incroyable, ça va dans des escalators non fonctionnels. Et voilà, ce qui fait que quand notre cadavre tombe en bas de l'escalator, et là il ne peut pas parvenir à l'ennemi, il ne peut pas remonter jusqu'à lui. Et voilà, ça enlève toute forme d'honneur au défunt finalement. Ok, ta mère. J'ai l'impression d'avoir 5000 de ping, c'est très bien. Je trouve ça très divertissant. Non mais faut arrêter de camper là, faut arrêter, hein. S'il vous plaît. Stop. Mother. Fucker, noob, don't say WTF, suck PLS. Ah, ça y est. Non, mais je repartais enfin du bon pied. J'observe mes alliés, j'observe leur technique et voir si elle est bonne. Non, mais voilà, mais tellement je suis bon en défense sur Dirty Bomb, je peux me permettre un petit Clash of Clans, une petite attaque ne fera jamais de mal, hein, on peut le dire. Que de toute façon, quand on a du skill à revendre, eh bien, mieux vaut s'en servir sur plusieurs plateaux parce que c'est du gâchis, hein. Le temps, c'est de l'argent et le skill aussi, c'est de l'argent, hein, quelque part. Faut savoir donner sur tous les plans. Ouais, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime faire. C'est tout l'amour que je vous porte, tout ça. Voilà, vous le savez. On va essayer de passer par un endroit dérobé de la map pour essayer de surprendre les ennemis bien correctement. Ouais, ou sinon, c'est un peu chiant, donc on peut sinon autrement changer de mode de jeu, c'est pas mal. Ah, y a même des matchs compétitifs. This game mode, local, level 7. Comment ça, level 7? Tu vois le niveau 2, là? Avec 4000 d'expérience? Ça, c'est pas rien, mon gars. C'est pas rien, ton level 7, tu peux le remballer. C'est bon, je pèse.
Qu'est-ce qui se passe? Mais on arrive dans une partie, elle est finie. Où on va? Mais où va le monde? Je comprends rien de ce qui se passe. Voilà, leave match. Yes, yes, I leave the match. Voilà, train yard, c'est bon ça. On change de map, on va un peu voir les autres modes. Le mode à l'anglaise, avec un train dedans. Moi, je pronostique la voie ferrée. Je me rends compte que quand je parle, en fait, c'est incompréhensible. Hein. C'est bien pour pouvoir s'exprimer en société. C'est vraiment un atout. Non, mais l'atout, peu importe sa couleur. Mais c'est vrai, quand il est à cœur, je préfère. Je me sens plus à l'aise à tout cœur. Voilà, j'aime bien. Disons que quand l'atout, c'est cœur, je domine le game. Mais bon, quand ça finit à pic, voilà, je me sens mal. Oula, ça a l'air très beau. Plein d'effets spéciaux présents sur la map en plus. Oh, ce jeu déploie de ses émotions chez moi qu'aucun autre n'a réussi à dévoiler auparavant. Ah, moi je vous le dis, je pourrais faire philosophe. D'ailleurs, je peux construire des générateurs ou les réparer, je sais pas trop ce que je faisais. Oh, l'ennemi refuse que je le tue. Mon ping refuse que je tue des ennemis. AFK, bioche-toi. Bande de putes. Voilà. C'est le moyen de savoir si cet homme, AFK, bioche-toi, est français. Parce qu'il y a toi dedans, en fait. C'est juste pour ça. Motherfucker, what the fuck? What does the fucking that to fear, man? J'ai essayé de faire le mec bilingue. Vous voyez les mecs qui gueulent dans GTA? Bah c'est moi qui interprète la voix. Juste pour mon accent, que voilà, me remerciez pas surtout, hein, ce serait dommage. Non, mais c'était quoi cette grenade? Oh! Eh oui, le frag, la vengeance est un plat qui se mange chaud, les enfants! Parce que si c'est froid, eh bien vous allez moins l'apprécier. Chaud, voilà, quand vous avez le sang chaud, allez-y, dans Dirty Bomb. Y'a pas de problème. Oh! Ah! Ah, il m'a tranché la gorge alors que j'étais. Ah, allongé! Ah, j'ai un peu des problèmes des fois, on me le dit. Quel beau kill! Quelle belle double feed qu'il a failli avoir! Failli. Mais regardez! Aussi, si je tombe avec une équipe nulle comme ça, voilà, je suis pas aidé. Je suis vraiment pas aidé avec de tels coéquipiers. Parce qu'une équipe, voilà, faut être soudé. Faut de la soudure, de la soudation. Hein, on peut décliner ça à toutes les sauces. Mais faut une équipe, voilà, qui en veulent. Tous ensemble, une belle équipe avec de grands coéquipiers. Ce qui n'est absolument pas mon cas. Regardez le niveau, voilà, ça joue au lance-patate. Et c'est tout ce que ça sait faire. Voilà, ça veut faire le beau et tout, ça veut faire les gros bras. Mais en fait, ça ne fait rien. Voilà, ça ne fait pas de kill. Et c'est pour ça que je suis déstabilisé et que moi, j'arrive pas à jouer. Parce que je calque mon jeu sur celui des autres. Toutes les routes mènent à Rome et tous les tuyaux mènent aux ennemis. Voilà, tous ces tuyaux jaunes mènent aux ennemis. Et surtout, à la mort. Non mais moi je vous l'ai dit, on aurait dû rester dans le mode de tout à l'heure et là où il fallait planter du C4. Parce qu'en tant que joueur professionnel de Counter-Strike Global Offensive, moi je sais planter le C4, je sais le planter, j'ai la technique, voilà, je suis un joueur professionnel. C'est vrai qu'on le dit pas assez souvent, mais voilà, faut le souligner parfois, faut parfois oser le dire. Avec un HP il me tue, avec un HP il me tue. Non, hey, de qui provient cette grenade? Arrêtez. Oh, hey. Hackers. Non, vous n'arriverez pas à m'avoir. Vous ne mourrez pas si facilement. Bande de petits chenapans. C'est vraiment très impressionnant, hein. Je sais, on me le dit souvent. Ah, quand je fais des games entre amis, on me dit souvent, t'es trop violent, t'impressionnes trop l'adversaire. Donc à un moment, faut que je me calme, quoi. Mais ce qui est bien, c'est quand on est mort, notre perso, regardez, il bouge, il se débat, il veut la vie. Regardez-moi ça, ce grand sniper qui est en notre présence. Regardez-le. Regardez cette concentration dans le viseur. Incroyable. Je n'ai jamais vu ça en 20 ans de carrière. Oh, la grenade. Non, je suis mort. Bon, c'est bon, j'en respawn dans 5 secondes. C'est un peu long pour moi. On va donc s'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, on a testé les deux modes de jeu présents dans cette bêta. Je tiens à le répéter. Le jeu sera donc gratuit. À partir du mois de juin, tout le monde pourra y jouer, donc je vous invite à le tester. Ça ne coûte rien, c'est vraiment le cas de le dire. Et donc après beaucoup de galères, notamment au début de vidéo avec un enregistrement qui ne voulait pas se faire, je suis heureux d'avoir fini et d'avoir fait une telle partie avec tant de skills. Et donc, moi, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt les amis. Yes, salut. I'm looking back, I'm trying to get my mind right. Was it you or me or the limelight? So I'm waiting for the time right. So let you go, so I can make my wrongs right. We weigh ourselves down when we don't need to be.